On est présentement vendredi, le 16 août, à la fête médiévale de Saint-Marcellin. Vous voyez que pour me protéger du soleil, j'ai mis un petit chapeau de paille. Il me va quand même bien, en plus. Je pense que je vais continuer à le porter dans d'autres occasions. Alors, c'est ça, il fait beau, nuageux. On voit le soleil qui pointe un petit peu à travers les nuages. Justement, c'est vraiment bien. Pas de pluie, à part le jeudi soir, mais bon, l'événement n'était pas commencé, donc pas si pire à ce niveau-là. Et aujourd'hui, ben, il se passe plein de choses. Dégustation de bière avec potentiellement des combats improvistes, une bataille de bar, littéralement, que je vais probablement vous filmer dans le vlog. Et ben voilà, je suis avec ma troupe King, le Crablag, du gros fun, des combats, de l'animation, ben de l'hydromel surtout, bien important. Et ben voilà, une belle fête médiévale en tout. Donc là, les amis, on s'apprête à rentrer dans le manoir du Seigneur, le manoir Sir Roland, où il va y avoir une dégustation de bière et apparemment qu'il va se passer des choses un petit peu louches au travers de la bière gratuite qu'on va potentiellement se faire donner. Donc on va aller tenter de chercher une petite coupe et on va aller voir qu'est-ce qui se trame à l'intérieur. Entrez, la bière! Entrez, entrez, prenez place! Là, je suis en contrôle. Merci de m'avoir donné une scène. Santé. Digne des bonnes bières de microbrasserie du caveau de trois pistoles. Très bon. Vous avez entre les mains une West Coast IPA brassée spécialement pour le 25e de la DMQ. Viva! 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 C'est une collaboration entre le bien et le mal et le caveau des trois pistoles qui est le brasseur officiel de la feste. Il serait important de souligner aujourd'hui la présence de Messire Jean. Messire Jean, pour la bière! Non, c'est de la bière! Silence, j'ai dit! Messire Jean, c'est encore trop ça! C'est la règle! Messire Jean, je ne sais quoi faire! C'est qui ces Vikings-là? Pourquoi ils ont starté un chaos puis une bagarre comme ça? On s'arrête quelques instants et on regarde ça, OK? On vient protester contre la taxe. Non, non, toujours les bourgeois qui veulent nous taxer à la sueur de notre front. Là, c'est assez. Je veux prendre une bière. Calmer. Ils veulent réglementer les armes, puis moi, ma lance, je la garde, là. Moi, je me promenais avec une lance. Odin le dit dans le Havamal, ne sors jamais sans ta lance. On dit, in God we trust, c'est fini, là. C'est ma lance, je la garde. Le roi ne me volera pas ma lance, puis elle rendra pas les dragons gays. What?
Bro, what are you talking about, man? Ouais! Ouais! C'est fini là, là! Moi, je suis tanné! Comme quoi, les préjugés et les théories de conspiration, ça date pas d'hier. Bon, retour à notre programme principal. Comment on se sent après une grosse bataille comme ça? Bon coup de gaz, ça mérite d'être à la bonne place. Bien, relax, c'est des Vikings, c'est facile. Juste 20 sales de bière. De la bière gâchée, c'est pas le fun ça. Non, malheureusement, excellente cette bière-là, donc venez nous voir. Donc après m'être remis de tout le chaos qu'il y a eu lieu pendant la dégustation de bière au manoir C. Roland, la fameuse bière des caveaux du Trois-Pistoles, je suis allé me promener à travers toutes les différentes boutiques de marchands et artisans locaux qu'il y avait de présents sur le site de la Feste médiévale. La plupart sont des boutiques et des artisans qui proposent en fait des produits à connotation médiévale ou du moins directement aussi reliés dans le monde médiéval, comme vous allez voir dans les prochaines secondes de la vidéo. Allez voir ces artisans, les liens le plus possible de ceux que j'ai pu retrouver vont être disponibles dans la description de la vidéo. Alors jetez un œil, ça vaut vraiment la peine. Et bien sûr que sera un festival médiéval, surtout costumé en viking, sans une bonne chope d'hydromel. L'hydromel doux du Vieux Moulin, offert par justement un de mes amis marchands derrière moi. Santé tout le monde! Toujours aussi délicieux. Alors, en ce beau vendredi, on a fait une dégustation de bière qui a très mal viré en bataille de bar. Il y a eu une canette pétée, des coups assez violents donnés là, justement dans les bagarres. C'était assez impressionnant. La bière, d'ailleurs, du caveau était excellente. Je me suis même acheté une nouvelle poterie qui est datée. Apparemment, c'est une reproduction qui a été retrouvée dans les fouilles archéologiques de Birka qui daterait du 9e siècle. Donc, une pièce de reproduction de pièces historiques que j'ai dans mes mains qui contiendra sans aucun doute beaucoup de liquide, de l'eau évidemment, mais aussi de la bière et de l'hydromel surtout. Donc, très beau vendredi. Ensuite, là, je m'enligne pour aller faire un petit souper banquet avec la plupart des troupes vikings qui sont présentes à l'événement. Et par après, soirée festive, bien arrosée, bien sûr, comme le veut la tradition de chaque événement de ce genre-là. Et ensuite, on va se retrouver samedi matin pour d'autres séquences. En bonus de la vidéo, voici quelques extraits du spectacle du vendredi soir des Dragons et Acrobates du Feu par l'Association médiévale de Québec. Ils sont peut-être jeunes, mais ils vont dans des écoles de professionnels. Ne tentez pas cela à la maison! Wow! J'ai plus de sourcils! Wouh! OK, OK! Je mettrai pas ma main là! Je mettrai pas ma main là! C'est bon! C'est impressionnant! Hein? C'est impressionnant! Il faut montrer au public de l'autre bord. Sont pas à leur premier flame.